Bonjour. Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Voilà, suivez-moi. Bonjour, bonjour à vous tous. Qui c'est qui est connecté? Qui est connecté? Qui est connecté? Je vais vous passer mon petit bonjour. On ne va pas commencer un nouveau mois sans se voir, sans se saluer. Et donc, je suis là ce matin pour vous faire un coucou. Connectez-vous. On va apporter juste un petit message au porte-parole, n'est-ce pas, du PPACI, M. Kone Katina. On va aussi lancer un message à nos autorités compétentes. Bonjour, bonjour, c'est Seydou Koulibaly. J'espère que je prononce bien ton nom. Je ne l'ai pas écorché. Bonjour. Bonjour à vous tous. Connectez-vous. On va se parler. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, jeudi 1er août. Voilà. Et donc, connectez-vous, nous allons échanger. Il faut partager le direct. Il faut partager le direct. Merci, merci beaucoup pour les cœurs. Vous voyez, c'est pour ça que je ne fais pas trop les directs quand je suis en Côte d'Ivoire parce que les Wi-Fi et consoles, ça rame trop et moi, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Partagez le direct, famille. J'espère que vous êtes tous là. J'espère que tout va bien. Bonjour à vous tous. Bonjour, 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 bonjour. Traoré Kassoum, bonjour. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, ça rame. Je ne vois pas tous ceux qui sont connectés. Alors, Facebook me signale que vous êtes 9 personnes connectées. Je vais faire ce petit direct là assez rapidement parce que je vais en réunion, donc je ne vais pas durer. Alors, je voudrais faire ce direct là pour vous dire bonjour et puis vous donner de mes nouvelles. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire, à dire que vous ne me voyez plus faire des directs. Je ne fais pas trop de directs en ce moment parce que oui, en dehors des directs, comme je vous ai dit, je suis en Côte d'Ivoire et il faille faire des actions, poser des actions sur le terrain. Voilà. Et donc, je suis aussi dans ma région parce que c'est ce que nous demande le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est d'apporter la bonne nouvelle chez nous. C'est de multiplier les actions de solidarité avec nos parents, n'est-ce pas? Et moi, j'ai choisi de le faire. Je le faisais déjà, mais là, j'ai accentué cela parce que c'est la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Son programme était la Côte d'Ivoire solidaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand on dit la Côte d'Ivoire solidaire, on ne dit pas le gouvernement solidaire. Voilà. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est chaque Ivoirien qui doit apporter assistance, n'est-ce pas, à son voisin, à un inconnu, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire solidaire voudrait dire qu'il faut partager le peu que nous avons autour de nous, surtout avec ceux qui en ont besoin. Et donc, moi, vous savez que je dirige une ONG qui s'appelle Solidarité Main dans la Main. Cette ONG est créée en France depuis 2006 et cette ONG fonctionne en Côte d'Ivoire.
Et donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est pour mener des actions de solidarité. C'est d'apporter assistance à ceux qui en ont besoin. C'est de soutenir vraiment ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Et donc, ces jours-ci, ça fait 3 mois que je suis là. Et depuis les 3 mois que je suis là, j'ai organisé une grande journée de solidarité à Ziriwa. Ziriwa, c'est dans le Dri intérieur. Ziriwa, c'est un village de Guibéroi dans le canton Dri. Et donc, nous avons fait plaisir à nos mamans. Oui, nous avons jeté un regard favorable pour partager cette journée-là avec nos mamans. Nos mamans qui ont fait plus de... Nos mamans qui ont fait plus de... Comment on appelle ça? Qui ont fait plus de 30 ans auprès de nos parents. Ces mamans-là, nous leur avons fait plaisir. Nous avons partagé un repas avec ces mamans-là. Mais surtout, nous avons emmené ces mamans-là à profiter de la journée, de cette journée de la solidarité. Alors, je ne sais pas comment faire pour bannir ce Niaoré Degré, parce qu'il y en a qui viennent sur les directs des gens qui n'ont rien à dire, qui viennent exposer leur frustration. Et comme vous savez que moi, je ne suis pas dans les bavardages inutiles, je ne suis pas dans les querelles, voilà, parce que je m'identifie, je m'appelle la fille de son Excellence Alassane Ouattara. Et le président de la République ne répond pas à tout le monde. Le président de la République ne parle jamais pas. Ce n'est pas prétentieux de ma part de dire que je vais faire comme le président. Mais oui, c'est important quand tu suis un leader de regarder un peu sa façon de faire. Voilà. Et donc, tous ceux qui ne sont pas contents, tous ceux qui viendront mettre des comportements désobligeants là sur ma page, je vais carrément les bannir parce que je n'ai pas besoin d'eux sur ma page. Sur ma page ici, sur mon compte, sur toutes mes pages, j'ai besoin des gens positifs. J'ai besoin des gens qui peuvent comprendre. J'ai besoin des gens qui peuvent dissocier les choses. J'ai besoin des gens qui doivent savoir, des patriotes, ceux qui comprennent que l'essentiel pour nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est de soutenir la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ceux qui n'ont pas compris cela, nous, on n'a pas besoin d'échanger avec eux. Et donc, ce monsieur Degré Niaoré ou quoi qui s'appelle là, je le bannis tout simplement de ma page. Et donc, je vous disais, le 8 juin dernier, nous avons fait une grande journée de solidarité aux populations du Dri intérieur. Nous avons choisi 15 mamans par village et donc nous avons pu satisfaire 225 femmes à raison de 15 femmes par village. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire solidaire n'est pas seulement une affaire du gouvernement. La Côte d'Ivoire solidaire n'est pas seulement une affaire du président de la République. La Côte d'Ivoire solidaire n'est pas seulement une affaire de la ministre de la Solidarité. La Côte d'Ivoire solidaire est une affaire pour tous. Est une affaire pour tous. Et donc, quand on peut, celui qui a un peu d'énergie, celui qui a un peu de force, celui qui a un tout petit peu, qui peut partager avec les autres, n'a pas besoin d'attendre un OK du gouvernement ou bien n'a pas besoin vraiment d'avoir, je ne sais pas, toutes les cartes du ministre de la Solidarité ou de quel ministre que ce soit pour pouvoir faire du bien autour de soi. Et donc, l'ONG Solidarité Main dans la Main participe à cette belle œuvre, à cette belle initiative du président de la République. Bonjour ma mère et encore courage, courage maman. La courage, c'est un passage obligatoire pour nous tous. Nous avons perdu notre père, mais courage, la vie est devant. Merci encore. Merci pour votre façon d'enterrer notre papa dignement. Je vous fais de grosses bises à toute ma famille de Béliéwa, à toutes mes mamans de Béliéwa. Et donc, nous devons comprendre, la Côte d'Ivoire doit exister. Et la Côte d'Ivoire va continuer d'exister, quel que soit le président qui viendra à la tête de cette Côte d'Ivoire. C'est pour ça que chaque Ivoirien que nous sommes, nous devons entretenir la cohésion sociale, nous devons entretenir la paix chez nous. Parce que c'est important.
Sans paix, nous ne pouvons rien réaliser. Sans cohésion sociale, nous ne pouvons pas avancer. Voilà. Aucun pays, sinon aucun village, hein, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire ne peut se développer sans la cohésion sociale. Parce que oui, nous avons besoin de ceux qui vivent dans nos villages et ceux qui vivent dans nos villages ont aussi besoin de nous. Nous devons les emmener à épouser notre culture, nos façons de faire. Et nous devons aussi les mettre à l'aise de sorte qu'ils ne se sentent pas crispés, ils ne se sentent pas à l'étranger. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été déchirée plusieurs fois, n'est-ce pas? Et nous qui sommes encore vivants, nous qui sommes encore là, nous voulons maintenir, n'est-ce pas? Nous voulons maintenir ce cap-là de la cohésion sociale, de la fraternité, du vivre ensemble. C'est important. Chaque Ivoirien doit parler du vivre ensemble. Celui qui ne parle pas du vivre ensemble, il doit aller créer son pays. Il doit aller vivre sur la planète. Je ne sais pas sur quelle planète la personne va vivre. Nous avons besoin de la cohésion sociale. Nous avons besoin du vivre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts et que nous allons loin. Voilà. Nous ne pouvons pas faire l'unanimité. Mais nous, ce que nous disons, c'est que chaque Ivoirien doit cultiver la paix. Chaque Ivoirien doit cultiver la solidarité. Chaque Ivoirien doit cultiver le vivre ensemble. C'est important. Le vivre ensemble, c'est important. Nous insistons là-dessus parce que nous disons que c'est dans le vivre ensemble que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Et donc, moi, ce matin, je suis là pour vous saluer. Je suis là pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je suis sur le terrain. J'apporte ma pierre à l'édifice. J'essaie de sensibiliser mes parents à la cohésion sociale. J'essaie d'apporter le message de vérité à mes parents. Parce que oui, c'est ça. Ce n'est pas de maintenir les parents dans du mensonge, dans du virtuel. Non, il faut être concret. Il faut être réaliste. Emmener nos parents à être réalistes, à épouser l'idée du développement. Voilà. Il n'y a pas de développement sans sacrifice. Oui, c'est vrai. Nous tous, nous pleurons le développement. Nous invitons le développement dans nos régions. Mais ce développement-là va entraîner, n'est-ce pas, un certain nombre de sacrifices. Certaines personnes vont perdre leur bien. Parce que oui, le développement passe par là. C'est de ça qu'il s'agit. N'appelez pas seulement le développement. Et puis, dès qu'on touche vos biens personnels, vous allez crier au loup. Non. On ne crie pas au loup. Et donc, toutes ces choses-là, c'est ce que moi je fais. C'est toutes ces choses-là que j'explique aux parents. C'est toutes ces choses-là que j'explique aux parents sans mensonge, sans faux fuyant. Je dis à mes parents, vous voulez le développement chez vous. Vous voulez que le développement arrive chez nous. Mais est-ce que vous êtes prêts à sacrifier un certain nombre de choses? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Parce que vous voyez qu'ils ont mis goudron ailleurs, partout. Ils ont mis des collèges partout. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier vos forêts, si vous en avez encore, à sacrifier vos terres? Est-ce que certaines personnes parmi vous sont prêtes à accepter que la route qui doit passer, la route qui doit être goudronnée là, leur maison doit être cassée un tout petit peu? Est-ce que vous êtes prêts à tout cela? Parce que c'est ça qui est dans le développement. Hein? Le développement que vous voyez, les routes que vous voyez, les collèges que vous voyez, les hôpitaux que vous voyez, qui poussent partout, les universités qui poussent partout, que le président de la République, son excellence, Alassane fait. Il y a des sacrifices. Hein? Il y a des sacrifices des propriétaires terriens. Il y a des sacrifices des gens qui ont acheté, qui ont construit. Il y a des sacrifices de tout le monde. C'est un ensemble de tout le monde. Voilà. Et donc, il faut accepter cela. Il faut comprendre cela. Et puis, surtout ceux qui se disent cadre des régions et consorts, il faut expliquer les choses à nos parents. Ça ne sert à plus rien, le mensonge de couvrir les choses. Non, le monde avance à une vitesse incroyable. Il faut dire les choses. Quand le gouvernement passe par un cadre de la région pour pouvoir réaliser quelque chose chez lui, il faut que ce cadre-là ait le courage et la force de dire à ses parents que ce ne sont pas mes moyens, mes propres moyens. Mais j'ai sollicité le gouvernement et le gouvernement a fait face. C'est la seule façon de guérir nos parents.
Ça sera la seule façon de sauver nos parents et notre jeunesse. Mais ne faites pas croire que ce qui se fait dans vos régions là émane de vous, vos forces, ou même de vos finances. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça que moi, je suis là. Je suis là pour dire les choses. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis dans ma région là. J'aurais pu mener ma politique ailleurs. Mais je dis, je reste chez moi à Guibéroua. Guibéroua est difficile comme pas possible. Mais c'est dans la franchise. C'est dans la vérité que nos parents seront affranchis. C'est dans la vérité que nous allons passer à la transformation de la mentalité. Parce qu'on ne peut pas développer une région sans commencer par la transformation de la mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui pensent que... Tous ceux qui pensent que... Tous ceux qui pensent qu'ils vont tromper nos parents, j'ai dit non. Moi, je serai là. Je serai là pour expliquer les choses aux parents. Je serai là pour dire aux parents, ouvrez vos cœurs. Je serai là pour dire aux parents que nous avons tous besoin du bonheur. Et le bonheur passe par le développement. Voilà. Le bonheur là, de chacun de nous va passer par le développement. Donc, acceptez que le développement arrive jusqu'à nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et si le développement n'arrive pas jusqu'à nous, permettez que nous, on aille chercher ce développement-là. Oui, parce que ce n'est pas tout ce qui est acquis que tu dois forcément croiser les bras. Non, quelque chose même t'appartient, puis tu vas chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on va aller chercher. Nous, on va plaider pour nos parents. Voilà. Nous là, nous autres là, nous les Sœurs Solange là, ce que vous, vous ne pouvez pas faire là, nous on va faire ça. Moi je vais m'humilier, je vais aller chercher, je vais aller demander, parce que c'est ce qu'il faut. Parce que ce que ton propre père n'a pas pu te donner, quand c'est le papa d'autrui qui doit te donner, tu vas à son rythme, tu vas doucement, tu ne le forces pas, tu ne le brusques pas, ça dit que tu ne l'agresses pas verbalement. C'est pas toutes les batailles qu'on doit mener avec des comportements désobligeants, avec, n'est-ce pas, des paroles blessantes. Non, c'est pas possible. Donc, Marie-Ancy Savané, merci beaucoup. Donc, j'étais là ce matin pour juste vous donner de mes nouvelles à tous ceux qui s'inquiètent, tous ceux qui pensent qu'il y a ci, il y a ça, il n'y a rien du tout. Alors, on ne parle pas la bouche pleine. Donc, en ce moment-là, je suis en train de manger dans ma région là-bas. Donc, je ne peux pas parler beaucoup. Ce sont les images, ce sont les actions qui vont parler d'elles-mêmes. Mais ce matin, j'étais là pour faire cette petite vidéo-là, pour dire aux uns et aux autres, pour dire aux uns et aux autres, non, je ne vais pas te bloquer, Niaoré Degré, je ne vais pas te bloquer. Je dis, quand tu arrives sur un direct, que tu n'aimes pas forcément la personne, il ne faut pas mettre faut pas installer ton impolitesse ni ton éducation là. Voilà, c'est tout ce que je dis. Sinon, je ne veux pas te bloquer. Moi, je ne bloque pas les gens. Non, non, non. Moi, je ne bloque pas les gens. Ce que je fais, je supprime ton commentaire. Voilà. Parce que je ne veux pas te répondre. Je ne veux pas être comme toi forcément. Donc, je supprime ton commentaire. Et donc, je dis à la jeunesse, Guidiga. J'interpelle ici la jeunesse du Guidiga. C'est entre nous jeunes, on se comprend. On regarde dans la même direction. Je vous invite tous à avoir des comportements de paix. À avoir des attitudes de paix. Cette année, dans la région, il y a beaucoup de tournois de football. Il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées dans le Guidiga. Donc, j'interpelle ici la jeunesse du Guidiga pour dire que nous devons nous comporter autrement. Nous devons être un exemple pour cette jeunesse qui nous talonne. Et donc, toutes ces activités qui sont menées dans le Guidiga, nous devons apporter le bon vivre
aux populations. Nous devons montrer le bon exemple. Nous devons dire à nos parents que nous avons mûri, qu'ils peuvent compter sur nous. Nous savons organiser les choses sans qu'il y ait des bagarres. Nous savons organiser les choses sans qu'on ne mette en mal la cohésion sociale. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est d'amener chaque Ivoirien, hein, n'est-ce pas, chaque jeune du Guidiga. Parce que oui, il faut parler de chez soi d'abord, il faut balayer devant sa porte d'abord avant d'aller balayer chez les autres. Et donc, c'est le Guidiga qui m'intéresse. Guiberoi, Dignangon et Galébré. C'est ça qui fait le Guidiga. Et nous, nous allons mettre la différence. Tout ce que nous avons organisé dans le Guidiga va très bien se passer. On ne va pas avoir de comportement qui mettra en mal la cohésion sociale des Ivoiriens. Et donc, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le premier jour du mois d'août. Moi, j'étais juste là pour vous souhaiter un très bon mois d'août, pour vous exhorter, pour vous emmener à avoir des attitudes de paix. Parce que seul avec la paix, nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà. Soignez vos plaies, guérissez de l'intérieur et puis venez ensemble pour que nous nous amusions, pour que nous montrons, n'est-ce pas, à nos parents que nous pouvons et nous savons faire les choses dans la bonne humeur. C'est ça mon rôle. Voilà. Et donc, je voudrais vous souhaiter à vous tous, un très, très, très bon mois d'août et que paix dans vos familles, paix dans vos vies et puis paix dans le Guidiga. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui m'ont écrit, qui veulent me rencontrer, on sera le 17 août à la finale à Guézem, la finale du tournoi qui porte mon nom, Solange Seri, la présidente de l'ONG Solidarité Mandala. Mais on sera tous à Guézem le 17 août. Et après, le 25 août, j'invite encore la jeunesse, n'est-ce pas, dans le canton d'Akuya, c'est-à-dire à Onayo, où nous avons la finale aussi du tournoi de Maracana dénommé Awawane. Voilà, Awawane, ce tournoi-là est parrainé par Solange Seri, la fille de son excellence Alassane Ouattara. Voilà. On doit pouvoir dire les choses sans avoir mal à la tête. Non, souffrez que ça soit comme ça. On ne peut pas vous suivre tous. Vous ne pouvez pas nous suivre tous. Mais nous devons nous respecter dans nos différences. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.